Ah, voici donc une très très grande star de la gymnastique. Paul. Ça, c'est un moment de détente, mais vous soulignerez en même temps que, bon, forcément, vous allez avoir le sourire, hein, mais vous soulignerez qu'il y a des difficultés et qu'il faut être vraiment au top, hein, pour réussir ça, même en s'amusant. C'est pas du tout évident. Oui, sympa, la petite culotte. C'est vrai que Paul adore, il adore la gymnastique, il a été compétiteur. Et jamais, il sait se moquer de la gymnastique un petit peu, mais jamais il ne dénature cette activité, il la respecte trop. Et il sait s'amuser, la tourner parfois en dérision avec beaucoup d'humour. C'est du grand art. Il a les cuisses de Gerd Müller. Oui, oui. Très bien senti ce qu'il fait. Et la culotte est vraiment extraordinaire. Oh. C'est remarquable. Continuez le mouvement. En dessous, c'est vraiment le sport en 3 ou 4 dimensions. Et le public l'a senti, hein, que c'était remarquable, parce qu'il y a du sourire, mais il y a aussi beaucoup d'admiration et beaucoup de respect pour Paul. En fait, il avait été l'attraction, souvenez-vous, Denis à Atlanta, parce qu'il était là. C'était le clown. Et c'était en fait le numéro le plus apprécié parce qu'il était délirant. Rappelez-vous tout de même que la poutre ne fait que 10 cm de large. Et alors là, ça va pas pour tout de suite. Alors. Ça, il faut le faire, hein, même. Il est en bout de poutre. Non, quelques difficultés, semble-t-il. Elle n'est jamais assez longue, cette poutre. Oui. Ça fait un peu souffrir avec lui. Hein. Il est fabuleux, ce Paul. Maintenant, en étant un petit peu plus sérieux, regardez, il ne serait pas ridicule dans une compétition de valeur nationale, parfois. Hein.